Bonjour à tous et bienvenue sur CNM Cooking. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ce délicieux plat d'aubergine à la parmigiana. Je vous rappelle que la liste complète des ingrédients est disponible juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Elle est également disponible en anglais et en arabe. Pour réaliser ce plat d'aubergine à la parmesan, nous allons avoir besoin de 4 aubergines, d'huile d'olive, de 700 g de pulpe de tomate, de poivre, de sel, de 2 gousses d'ail et de parmesan. Nous allons commencer par préchauffer le four à 180 degrés, en chaleur tournante de préférence. Nous allons ensuite râper le parmesan. Ensuite, il faut découper les aubergines en lamelles, de cette façon. Nous allons ajouter de l'huile dans une poêle. Puis nous allons ajouter les aubergines de façon à les faire frire. Et ensuite, il faut retourner les aubergines pour qu'elles cuisent de chaque côté. Donc on répète cette opération, on les retourne plusieurs fois. Lorsque les aubergines sont cuites, on va les ajouter sur un papier absorbant. Ensuite, nous allons prendre un plat qui va au four et ajouter un petit peu de sauce tomate dans le fond. On rajoute l'ail écrasé. On ajoute du sel. Du poivre. On ajoute ensuite les aubergines de façon à faire des couches. Puis on met par-dessus de l'ail écrasé. Du parmesan. Et on rajoute un peu de sauce tomate. Et on va répéter cette opération. Donc on rajoute les aubergines jusqu'à ce que nous n'ayons plus d'aubergines. À la fin, on rajoute du parmesan sur le dessus. On ajoute le reste de la sauce tomate. On étale la sauce tomate. Et on ajoute du parmesan. Et nous allons enfourner le plat à 180 degrés pendant 30 minutes. Voilà, c'est prêt à servir, le parmesan a bien gratiné. Vous pouvez déguster ce plat en plat principal ou en accompagnement ou avec de la salade. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bon appétit !